time. Find a beautiful person and dance with them. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'Europe à Schuman. Que représente aujourd'hui cette manifestation et quel est l'objectif ? Oui, c'est une manifestation de la Confédération européenne des syndicats et des syndicats belges et aussi d'autres organisations syndicales européennes, avec comme objectif de demander à la Commission européenne de remplir sa promesse. La promesse qui a été faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans les 100 premiers jours de fonctionnement de la Commission européenne, de prendre l'initiative en matière de transparence des salaires, justement pour faire en sorte, grâce à cette transparence, de diminuer l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et donc nous sommes ici pour demander à la Commission européenne d'accélérer le mouvement et justement de prendre une directive pour rencontrer ce besoin. Parce qu'on sait bien que si on a plus de transparence, on va voir apparaître quels sont les mécanismes qui composent les salaires des hommes, les salaires des femmes, et on va pouvoir lutter plus efficacement contre l'écart salarial qui reste très élevé en Europe. En Belgique, par exemple, on est sur un écart salarial sur base horaire de 10%, mais sur base annuelle de 23%, ce qui est quand même relativement énorme. Énorme et incompréhensible au jour d'aujourd'hui, alors que la réglementation légale prévoit justement qu'il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Donc il faut faire en sorte que cette discrimination, que cette différence entre les salaires des hommes et les femmes soit corrigée. Olivier Valentin, secrétaire national CGSLB. Oui, donc moi c'est Claude Lambrex, je suis secrétaire nationale à la Centrale nationale des employés, responsable Action Femmes. Alors pour nous c'est important parce que l'Europe, depuis le traité de Rome, a toujours fait des avancées en matière d'égalité. Mais malgré ça, l'écart salarial c'est encore quelque chose qui reste, qui est présent dans tous les pays au niveau mondial. Toutes les femmes en sont victimes. Et en Europe, on a encore des différences de salaire et des difficultés aussi d'accéder à des postes à responsabilité. Ah ben voilà, c'est très important pour nous aujourd'hui ici au niveau européen, le 27 mars au niveau belge, parce qu'on constate que les salaires annuels entre les femmes et les hommes sont quand même encore différents. Les femmes, elles gagnent en Belgique par exemple au niveau annuel 23% en moins. Et donc la présidente de la Commission européenne, elle a dit qu'elle allait faire une directive pour donner plus de transparence sur les salaires au niveau des entreprises. On veut aussi un coup de main au niveau européen pour implémenter cela. Ça va permettre de poser des questions, de faire des bonnes analyses et permettre de monter le niveau de salaire pour les femmes, faire le niveau des hommes. Et c'est ça qu'on réclame. Alors vous êtes ? Moi je suis Miranda Hulens, secrétaire générale de la FGTB. Absolument, il faut absolument. Ça fait trop longtemps qu'il y a l'écart salarial. Il est temps que ça cesse. On est au 21e siècle. Il est temps que les femmes gagnent la même chose que les hommes. C'est tout à fait important, quoi. Alors vous êtes ? Moi, je travaille au lobby européen des femmes. Je m'occupe de dossiers socio-économiques et donc pour la liberté économique des femmes, pour s'assurer que notre économie tient compte des femmes et que les femmes puissent aussi avoir leur mot à dire dans tout ce qui est économique. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour on y arrivera ? Bien sûr. Il ne faut jamais perdre l'espoir, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Un jour, oui. Mais j'espère que ce sera vite, parce que moi-même, j'aimerais bien avoir vraiment voir l'écart salarial disparaître pendant ma vie. Et donc, moi, je ne vais pas vivre 100 ans. Donc, ici aussi, je pense que tout le monde voudrait voir la réalité d'un salaire égal un jour et vite. Vite, ça doit aller vite, quoi. Equal pay! Every day! The people say! The people say! Transparency! You can dance, huh? Find a beautiful person and dance with them!